vous allez bien? On est mercredi, il est 10h30. J'ai toujours la voix encore un peu prise. Donc, je ne vais pas bouger aujourd'hui puisque les routes sont complètement verglacées. Là, il reneige. C'est une catastrophe au niveau de la météo. Donc, je pense que prise de sang et action, ça sera la semaine prochaine. Heureusement, j'ai été faire mes courses lundi. Mais alors là, il neige à foison. Et ils en ont encore prévu pour jusqu'à 15-16 heures. Enfin, c'est super. Heureusement que mon fils finit à midi parce que je pense qu'ils auraient fermé le collège. Déjà hier, ils ont fermé quelques lycées en Essonne l'après-midi. Il y a mon mari qui a été chercher la fille d'un de ses collègues maçons parce qu'il était coincé sur un chantier et la pauvre, elle avait rien pour rentrer. Donc bravo hein, l'éducation nationale. Ils ferment les lycées, les gamins sont dehors. Bravo. Bravo, bravo. Bon, en parlant de ça, donc ce matin au programme, ça va être. Du coup, je vais faire pas mal de lessive. J'ai des petites choses à vous montrer tout à l'heure. Là, j'ai mes cartes de vœux à faire. Donc, je vais les faire et je vais vous montrer. J'ai reçu ma Big Shot de 60. Je vous avais dit quand j'aurai assez de sous sur mes trucs de cashback. Donc, iGraal, e-bike club, enfin. Tous les sites de cashback avec lesquels je cashback. Et elle était en promo sur Amazon à 90 euros. Donc au lieu de 109, elle était au moment à 109 à Noël. Donc là, bon plan. Donc voilà, et du coup, j'ai remis 15 euros de ma poche. Et le reste, c'était du cashback. Donc ça, franchement, si vous avez à faire des achats sur Internet, passez par les cashbacks. Ça permet de réinvestir. Et j'ai commandé un mascara aussi que j'ai pas encore reçu. Je pense que je l'aurai la semaine prochaine. Donc voilà, comme ça a été fait. Et du coup, j'ai fait quelques découpes. Donc je vais vous montrer ça. Je vais m'installer sur la table en bas. Je vais faire mes petites cartes de vœux. Comme ça, je pense qu'elles partiront demain. Parce que j'ai encore trois personnes à qui j'envoie des cartes de vœux. Sinon, là, c'est tout par SMS. Mais j'ai mes tantes et mes oncles, voilà. Et ma grand-mère auxquelles j'envoie encore les cartes de vœux. Donc je vais faire ça, je vous retrouve au rez-de-chaussée et je vous montre ça, j'ai également reçu mon pull-loir. Et hier, je vous avais fait un haul beauté, j'ai oublié de vous montrer ça. Donc je vais vous le montrer maintenant, comme ça va être fait. Donc avant que vous me demandiez, je suis toujours en test de la palette Belle Jordan, puisque je vous ai dit que j'allais la tester pour vous en faire un retour. Donc je sais pas si on va le voir, mais j'ai mis les fards, j'ai fait un genre de comment ça s'appelle de smoky, et sur ce fard là il y a des paillettes, donc je sais pas si on le verra à la caméra. On le verra peut-être en lumière du jour un peu plus, parce que alors là je suis un petit peu dans le noir. Et en highlighter, donc je pense qu'on doit le voir où il est là, j'ai utilisé celle-ci de chez Revolution Pro. C'est la celle-ci, c'est laquelle, 4K highlighter palette, la rose gold, voilà, il y a le nom devant. Et mascara de chez Sephora. D'ailleurs, ils en ont sorti un nouveau. Je vais le recevoir pour vous en parler. Celui-ci, c'est le Ultra Juice Extension Dramatic Volume et Lymph Mascara. Et il y en a un nouveau qui est sorti, donc encore plus gros. Et pour les lèvres, c'est un très très joli rose nude. C'est le Bounce de chez NARS. Donc, dans la petite pochette Sephora, il y avait. Pendant les soldes, il y avait eu encore. De toute façon, c'est toujours les soldes. Il y avait un jour, il y a eu moins 10% supplémentaires. Je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous puissiez me voir. Et il y a un petit bout de temps que c'était dans mon panier. Et je me suis dit, il va falloir que je me les commande. En fait, j'ai encore le nez qui coule. Hein. C'est la marque Go Get Glitter. J'ai oublié de vous les présenter dans le vlog d'hier. Est-ce que tu vas me faire le focus? Voilà. Donc, c'est une colle à paillettes et ce sont des paillettes. Des paillettes pour le corps et le visage. Donc, là, j'ai pris le Face and Body Chunk. Paillettes pour le visage et le corps. Il marque qu'on ne peut pas les mettre sur les yeux. Donc, il y a la colle à paillettes. Donc, je verrai ce que ça donne et puis je vais les tester. Donc, celui-ci, c'était la teinte. Je crois que j'ai payé 9 euros au lieu de 17 ou 18. C'était à moins 50 plus moins 10% supplémentaire. Donc ça valait le coup. Et en petit échantillon, on m'a mis le nouveau parfum de Yves Saint Laurent. Donc j'ai choisi le Black Opium que j'aime beaucoup. Je l'ai fini. Donc je vais tester celui-là. C'est le Intense, il me semble. Après, ils m'ont mis. Qu'est-ce qu'il y avait? Le Fenty Beauty Pro Filter, le fond de teint. J'ai pris ça en échantillon pour mon mari qui est le parfum de chez. C'est le parfum de chez qui? Narciso bleu noir pour homme. Donc j'ai pris ça en échantillon. Et le dernier échantillon, c'est un parfum pour femme.
Ah bah il y est deux fois en fait. Je vais pouvoir le tester bah, sur plusieurs jours. Je vais mettre comme ça pour avoir la lumière de la fenêtre. Donc je vais m'installer au rez-de-chaussée et puis je vous montre tout ça. Je viens de relire le petit truc, il n'y a pas d'échantillon de parfum dedans. Je suis pas encore descendue. Hein. En fait, c'est pour l'avant-première, en fait, depuis le 7 janvier 2019, il est disponible dans le magasin. Et une miniature Black Opium intense est offerte pour l'achat d'un Black Opium 50 ml ou plus avec le code YSL19 sur Sephora dès le 7 janvier. Donc voilà, si vous voulez tester. Donc je pensais que j'en avais deux, mais non. Bon allez, je vous retrouve en bas. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai reçu la 6X Big Shot. Big Shot. Donc le carton est assez grand, je l'ai pris sur Amazon. Donc c'est une machine donc, de découpe et d'embossage. À l'intérieur, donc vous avez du grand carton, vous avez cette machine là avec de quoi passer le... Donc ça c'est démonté, c'est remonté avec cette petite chose là. Vous avez à l'intérieur les différentes places pour pouvoir faire l'embossage. Donc c'est un prix, c'était expliqué dessus en fait bah, comment procéder. Donc par contre quand vous faites des découpes, ça fait avec des dies, ça fait des marques. Donc ça, ça à mon avis c'est à remplacer quand elle est vraiment trop abîmée. Donc moi j'ai fait des petites découpes et embossages avec les petites choses que je vous avais présentées de chez Action. Donc notamment ces deux là. Donc ça je vais le coller sur papier blanc, je pense que je vais faire des cartes comme ça. Donc vous voyez c'est très joli, hein, ça fait sa découpe. Et j'ai récupéré les petites étoiles pour mettre dans mon bullet journal. Il y a celui-ci avec les chats et vraiment très sympa. Et celui-ci avec les petits lapins. Donc ça, je vais faire mes trois cartes avec ça. Et j'ai essayé aussi une plaque en métal, un dies en métal. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez en faire une carte. Avec du papier aussi qui vient de chez Action, donc qui est quand même assez fin. Mais ça découpe très bien les motifs. Je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est... Voilà, on va mettre sur le foncé, c'est vraiment top. Donc je vais faire mes petites cartes et puis bah, je vous retrouve quand elles sont terminées. Comme ça je vais pouvoir envoyer ça aujourd'hui. Et puis comme ça, ça va être fait. Donc à tout à l'heure. Et en même temps je regarde, puisque j'ai fini ma série hier, Les Voyageurs du Temps. Donc j'attends la prochaine saison, j'espère qu'il y en aura une. J'ai commencé ce matin, j'en suis à l'épisode 3, Sex Éducation. Donc c'est pour quand même un public averti un petit peu au-dessus de 16 ans je dirais. Parce que bon, il y a des scènes quand même, voilà, pour les plus jeunes c'est un petit peu... Donc voilà, public averti, 16 ans, mais c'est assez marrant. Et voilà, donc si vous cherchez une nouvelle série, si vous êtes adulte, eh bien pourquoi pas. Donc voilà, j'ai fini les petites cartes, hein, vraiment j'ai fait des choses très classiques. Donc voilà, j'ai collé sur du papier Action. Papier qui est un petit peu crème. J'ai fait deux tampons également, je crois qu'ils viennent chez Action aussi, il me semble. Sur les blocs cristal de chez Action, j'ai mis un petit peu de masking tape. Et voilà. Donc j'ai fait les trois cartes pareil. J'ai plus qu'à mettre les adresses et un petit mot. Et puis c'est parti. Donc là il est presque midi. Je pense que je vais aller faire à manger. Il y a mon loulou qui rentre. Du coup, ils n'ont pas AS avec à cause de la neige. Et je voulais aussi vous montrer, j'ai reçu donc mon plioir que j'avais mis sur ma wishlist, hein, qui était à 2-3 euros sur Amazon. Donc c'est de la marque Artemio. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez, il est vraiment bien. Et il est vraiment très efficace, j'ai plié mes cartes sans problème, donc top, top, top. Bon, je vous retrouve tout à l'heure. C'est super froid. Alors Enzo vient de rentrer, enfin il y a un petit moment qu'il est rentré parce qu'il est 14 h, on a mangé. Et on vient de recevoir, il s'est commandé ça avec ses sous sur AliExpress. Un pull, vous savez, il kiffe ces pulls-là. D'ailleurs, il en portait un aujourd'hui. Il est où celui que tu portes aujourd'hui? Il y avait celui-là. Je ne sais plus sur où c'est qu'on l'avait eu. Donc, si je vous retrouve le lien de celui-ci, je crois que c'était sur New Chic. Enfin, je ne sais plus trop. Si je vous retrouve le lien, je vous le mettrai. Et là, c'est une genre de forêt. Donc, il est en taille SM. SM. Et il avait payé quoi? 15 euros? Ouais, 15 euros. 15 euros. Donc il est ravi, donc, mais c'était super rapide, on l'a commandé la semaine dernière, donc autant vous dire très rapide. Et je voulais vous faire un petit point aussi, on est en train de regarder, on est presque à la fin, le film Pan, ils l'ont ajouté sur Netflix, il me semble, il n'y était pas. Donc on l'avait déjà vu, mais il est vraiment très sympa, donc c'est Peter Pan, mais en version très moderne, très Disney quoi. Avec des effets spéciaux assez sympas, donc si vous ne l'avez pas vu, si vous avez des enfants ou pas, je trouve qu'il est très sympa.
Donc je vais on nous voit pas. Voilà. Je vais clôturer cette journée là. Je vais aller faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. À demain. J'ai mon kiki qui se fait la malle. Ouais. À demain. Ciao.